Salut, je m'appelle Guillaume Lemaitre-Vierge. Bienvenue à Changeons le monde. C'est une série qui est consacrée aux bénévoles qui œuvrent auprès des jeunes et des moins jeunes de notre société pour les aider à améliorer leurs conditions de vie. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Pasteur Mbuyi. C'est un entraîneur bénévole au club de boxe La Persévérance dans le quartier Saint-Michel, ici à Montréal. Et on lui réserve une petite surprise puisque Pasteur et moi, ben, on se connaît pas. Pasteur fait partie d'une équipe d'intervenants qui ont le désir d'aider les jeunes à s'identifier, à leur permettre d'augmenter leurs chances en toute équité par diverses activités sportives, notamment la boxe. Je vous invite à me suivre. C'est parti. Je réponds au nom de Mbuyi Pasteur Tshibangu. Je suis boxeur et en même temps entraîneur. Je suis champion d'Afrique 3 fois. J'ai la connaissance de la boxe. Donc, j'essaie un peu de partager ma connaissance avec les jeunes boxeurs. C'est notre travail, notre devoir de ramener ou de gagner tout genre de personnes, de leur enseigner une bonne manière de se comporter sur le ring, même dans la rue comme ça. C'est juste de savoir comment parler avec eux. D'abord, chercher d'abord l'amitié et puis de ramener ici. C'est, on gagne toutes les gens, les genres de gens ici. Salut. Wow! Yo! Mais non, mais non, mais non! Mais oui! Wow! Salut, Guillaume, merci, respect encore! Mes respects! C'est moi! Mais non! Oui, arrête! Quel accueil! Mon Dieu, t'es bien gentil! Merci beaucoup! Ça fait tellement plaisir! C'est moi qui est rempli de la joie, là! Oui, comment je t'appelle? Pasteur, c'est ça? Oui, Pasteur. Pourquoi? Oui. Ça vient d'où? Pasteur, c'est un nom qui vient de la boxe, pas dans ma famille. J'aime faire des bénévoles. D'accord. C'est pour cela que j'ai fait aussi des bénévoles dans l'église. Il y a des jours que ce qu'ils ont donné pour l'église, mais une grande partie, je reste avec les jeunes ici, dans, au gym, dans la boxe. J'ai entendu souvent que la boxe avait sauvé, littéralement, des jeunes. Est-ce que toi, ça t'a sauvé la boxe? Pour aller mieux sur les rings, il faut se débarrasser avec des mauvaises choses, des mauvais comportements. Donc, tu ne peux pas boxer, à l'état, tu fais des magouilles, des manœuvres dehors, ou tu fais des bagarres des rings. Non, ça ne marche pas comme ça. Faire un peu comprendre aux jeunes ce qui est mauvais, ce qui est bon à faire. Toi, qui t'a donné envie de faire du bénévolat? Dans mon cœur, j'aime toujours aider les gens. C'est comme ça que je suis né. J'ai la connaissance. Mais comment je peux mourir avec ma connaissance si j'essaie d'aider? Les jeunes, moi, ça m'apporte juste la joie. Toi, c'est un non-sens de mourir avec tes connaissances. T'as besoin de les partager. De partager ça, même comme c'est gratuit, partager ça. Je m'appelle Rock Gagné et j'ai 16 ans. Le club de boxe, c'est vraiment important pour moi. Rock, c'est un jeune garçon très et très courageux. La Rock, il veut devenir un champion du monde. Salut. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Rock? Ouais. Enchanté. Ça va bien? Ça va bien, bien oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de connaître. C'est une surprise, là. Je m'attendais pas à ça. Tant mieux. On est là pour ça. On est là pour des belles surprises. Quand je l'ai rencontré, j'ai vraiment été surpris de le voir ici, là. Je veux dire, t'sais, on s'attend vraiment pas à ce qu'une vedette qu'on voit comme très souvent à la télé vient ici, dans nos petits coins, puis dans nos habitudes, dans notre routine. C'est Guillaume qui va te donner le sparring aujourd'hui, celui qui va te servir au sparring partenaire. Vous allez faire du sparring. Moi? Moi? Donc, c'est moi qui a peur, là, cette fois-là. Non! Tu es méchant? Non. Mais il a des coups solides, mais il n'est pas méchant. J'en parle. Good! Facile. Cinq comme bonjour. T'en as jamais fait, hein? Non? Ben un peu, mais dans le cadre d'un film. Déclaré. Ouais.
Comment j'ai trouvé Guillaume, c'est vraiment une personne sympathique. Puis moi, j'ai vraiment aimé, été content, puis aimé ça l'avoir rencontré. Là. Ça, ouais, c'était cool. Je sais que tu as bien fait tes devoirs. Hein? T'étais bon sur les rings. C'est beau tes sparring, c'est correct. Lâche pas, hein? Lâche pas. Hein? Non, non, non. Il faut continuer à voir. J'ai servi à quelque chose. Evans Guercy. J'ai 42 ans. Je travaille pour le service de police de la ville de Montréal. Mais avant ça, j'ai un baccalauréat spécialisé en sociologie. Toi, t'as fondé ici le club? Oui. Pourquoi, à base? Écoute, quand j'ai commencé à travailler dans le quartier comme policier, les jeunes m'ont dit qu'il manquait d'endroits. OK. Puis, mine de rien, Saint-Michel, c'est le seul arrondissement sur l'île de Montréal où il n'y a pas un centre sportif communautaire. Ça n'existe même pas. Fait qu'ici, c'est un peu un genre de baume, là. Je donne une alternative aux jeunes, à la délinquance. Après l'école, mais regarde, le gym est là, venez vous entraîner. Si on s'en occupe pas, qui va s'en occuper? Je me dis, surtout un quartier comme Saint-Michel, 40 % des familles ont un revenu sous le seuil de la pauvreté. 40 %? Je te le jure. Et moi, mon but, c'est d'aller chercher des sous pour essayer de payer le local puis payer les entraîneurs, les équipements. Fait qu'ici, tout le monde est sur le même piédestal. Que t'as de l'argent, que t'en as pas, tu viens t'entraîner. Tu viens t'entraîner, puis c'est gratuit. On développe le rêve, mais le but ultime, c'est de continuer d'aller à l'école. Fait que le jeune qui va pas à l'école, il est pas le bienvenu ici. Oh, non. Non, viens, bonjour. Bonjour. OK. 1, 2, 1, 2, 3. Je conseille à tout le monde d'essayer un entraînement de boxe. Je suis brûlé. Je vais quoi? Un rond. Pas 12, hein? Tranquille. Hey, je t'interromps juste une seconde. Ouais. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, merci. Pasteur, je vais juste prendre une seconde pour te remercier. C'est beau ce que tu fais, c'est plus que beau. C'est essentiel. Un homme comme pasteur, est une chance qu'il y ait du monde comme ça dans la vie, parce que le fait d'avoir des gens comme ça, pour nous, qui sommes à côté, qui le regardons, quand on a un peu de bon sens, là, on se dit, coudonc, lui, il fait 80 % de la job. C'est un humain comme on n'en a pas assez. Ta présence ici, ça nous donne un peu la motivation aussi. Tu nous as encore boosté de plus. Continue. Merci beaucoup. Merci. C'est tout ce que je peux dire. OK, merci. Merci, merci, merci pour votre merci, tu m'as brûlé, mon équipe. Non! C'est toi qui m'as brûlé. Comment le c'est pour me bon, alors, je suis bien brûlé. Ce matin, chez moi, en train de faire la vaisselle puis essayer de ramasser les affaires qui traînaient, je me suis posé la question si j'étais utile dans la vie. Sérieusement. Je me rends compte que je le suis pour une chose, parce que je vous ai permis de connaître Evans et Pasteur. C'est à votre tour, Pasteur. Vous allez faire quoi pour aider quelqu'un autour de vous? Okay.